le milieu de l'immobilier en Côte d'Ivoire connaît un très grand boom. Et on s'est dit qu'on pouvait être utile à accompagner les Ivoiriens aussi dans ce domaine-là. L'acquisition d'une maison est devenue quelque chose de très complexe pour les Ivoiriens. Et on s'est dit que nous avons la chance d'avoir un partenaire comme Adoa, qui a quand même une opération immobilière en Côte d'Ivoire, et qu'il fallait être à leur côté pour, quand je dis leur côté, c'est les populations ivoiriennes, il fallait être aux côtés de ces populations pour les aider à acquérir un logement. Donc cela passe par beaucoup de méthodes et nous avons voulu nous inscrire dans ce cadre-là. C'est ainsi que nous avons décidé de signer un partenariat avec Adoa et pouvoir nous mettre à la disposition des Ivoiriens pour les accompagner, parce que nombreux sont ceux qui nous ont interpellés, qui nous ont appelés sur ce projet Adoa pour savoir comment il fallait entamer les démarches pour les acquérir. Alors nous sommes mis à disposition et à partir de ce partenariat, nous avons la caution officielle pour pouvoir guider, indiquer et aider les Ivoiriens à devenir propriétaires. Aujourd'hui, c'est une autre méthode d'acquisition qui est venue en Côte d'Ivoire, celle de permettre la location-vente, c'est-à-dire habiter la maison avant d'acheter la maison. Tout cela passe par des formalités et je crois que c'est à la rencontre que nous allons créer avec ces populations que nous allons mieux leur expliquer pour que cela soit bien entendu et bien su de tous. Ce qui est sûr, ce partenariat viendra renforcer encore la confiance que placent déjà les acquéreurs en l'opération immobilière à Doha. Vous savez, il y a un programme qui a été lancé il y a quelques années, le programme présidentiel de logements sociaux, qui avait l'ambition de réaliser 150 000 logements. Et malheureusement, à aujourd'hui, nous faisons un constat qui n'est pas satisfaisant. Donc nous avons toujours été francs et constants sur ce point-là. Et nous avons cherché à comprendre ce qui n'a pas marché. Et dans les choses qui ont fait que ce projet n'a pas été un succès, il y a le manque de confiance. Le manque de confiance qui est venu malheureusement des déboires de plusieurs promoteurs immobiliers. Des promoteurs qui ont encaissé de l'argent, qui n'ont jamais mis à disposition le logement concerné, des promoteurs qui ont fixé des prix qui ont ensuite été multipliés par X, des promoteurs qui ont disparu du marché, etc. Donc tout cela malheureusement a créé de la méfiance. Et il fallait recréer la confiance avec la population. Nous avons donc décidé cette fois de mettre l'accent sur la location-vente. Donc faire en sorte que l'acquéreur intègre le logement qu'il va acheter et qu'il l'achète sur une durée suffisamment longue. C'est économiquement ce qui est le plus justifiable. Économiquement, c'est ce qui est le plus logique, puisqu'une maison, ce n'est pas un bien, ce n'est pas une denrée de consommation immédiate. C'est un bien qu'on peut consommer pendant toute sa vie, au moins pendant toute sa vie professionnelle. Donc il est logique que nous puissions proposer aux populations de rembourser sur la durée de leur vie professionnelle, c'est-à-dire sur 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc notre ambition, c'est celle-là. Nous y travaillons très fort et nous apprécions que certains promoteurs, c'est le cas par exemple avec Adoa, que certains promoteurs s'inscrivent dans cette vision des choses et que des acteurs nationaux, des acteurs locaux prêtent leur image pour porter ce projet encore plus loin. Et c'est pour ça que je félicite encore une fois le jeune frère Assalfo et la fondation Magic System pour leur implication dans ce projet, dans la réalisation de ce projet.